Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui de manière atypique chez moi et non pas chez toi parce qu'il y a des travaux. Exact, donc, voilà, c'est très chiant. On n'a pas le fond vert, on a la petite caméra mais ça ne changera rien au contenu de cette vidéo. Il sera tout aussi qualitatif et tout aussi pitreux. Nous l'espérons fortement. Oh, le petit chat arrive, on n'avait pas fermé la porte. Il y a des petits chats qui vont passer par-ci par-là, c'est royal. Oui. Peut-être pendant la vidéo. J'espère. Restez jusqu'au petit chat. Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter du Kaldheim. On va présenter June Pâté de Troll. On reviendra sur cette decklist, mais on a quelques petites annonces très rapidement. Oh. Déjà, on a participé tous les deux à un podcast. Oh, que ça régale. Un podcast. Le podcast. Le premier est sorti. C'est une interview de moi-même qui est sortie sur la chaîne de Café Magic. Vous aurez les liens en description. Allez écouter le podcast. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, faites-vous plaisir. Ça parle de nous, de notre vie de magicien et de la création de notre contenu, exact. Globalement. Sauf que cette personne-là a accepté aussi que nous n'étions pas un troll à deux têtes et a décidé de nous inviter séparément. Nous ne sommes pas un être bicéphale. Nous ne sommes pas un être. Exactement, nous sommes chacun une entité. Donc voilà, il a décidé de nous différencier. Et c'était pas plus mal. Je crois que c'était la première fois qu'on se prêtait à ce jeu-là. Et ton interview à toi sortira dimanche prochain sur la même chaîne. C'est ça. Il y aura peut-être un contenu bonus les semaines d'après. Allez le suivre, il fait une espèce de revue d'actualité Twitter du monde compétitif tous les dimanches. Et en plus, il invite en interview des créateurs de contenu de la scène MTG. Voilà, big up à Café Magic. Exact. Ensuite, si jamais cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, le petit abonnement en activant la cloche si vous voulez être notifié. Et puis voilà, bah merci à tous. Vous pouvez aussi regarder dans notre description et aller sur notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir. Et on a pour toutes les bourses, voilà, pour ceux qui veulent nous aider. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Vous êtes déjà, je ne sais pas combien 44. En termes de nom, 44 à nous avoir soutenus sur Tipeee. Vous êtes complètement dingo. On a déjà passé notre premier palier, ce qui va entraîner une refonte graphique totale de la chaîne. Donc ça va être magnifique. On aura vraiment une cohérence, un univers, on a notre univers en fait. Du coup, d'ailleurs, pendant qu'on y pense, si vous êtes graphiste, si vous connaissez les graphistes, n'hésitez pas à nous envoyer par mail votre mail forcément, avec un petit portfolio, un lien pour voir tout ce que vous faites, votre univers à vous, ce que vous êtes capable de faire. magicarenafr@gmail.com, c'est dans la description de toute façon, si vous les trouvez. De toute façon, c'est facile, c'est sur tous nos réseaux. Et voilà, n'hésitez pas à faire passer le mot, on va faire un petit appel sur Twitter en plus de toutes les candidatures qu'on va recevoir. On va regarder un petit peu, il y a déjà des gens qui nous ont envoyé, merci. On répondra quand on aura tout un petit peu fait le tour de tout le monde. J'ai répondu aux deux premiers ce matin. Déjà répondu en fait. Voilà. Globalement, on fera d'abord le tour de toutes les offres qu'on a. Exact. Et voilà, ça va être cool. Merci. Pour à chaque fois, les gens nous demandent un petit peu quelques détails. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une refonte complète, c'est-à-dire qu'on veut des nouvelles assets, on veut une nouvelle bannière, on veut un nouveau logo, on veut de nouveaux avatars, on veut une identité couleur typée peut-être un peu e-sport, voilà, dans ce délire-là. Mais on donnera plus de précision, évidemment, en MP à ceux qui sont intéressés. Merci à tous, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de modifier un petit peu tout ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on a le même univers, le même univers graphique. Et là, voilà, on voudrait tout refaire, avoir une belle cohérence et ça nous régale, voilà, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Exact, pendant qu'on est sur Tipeee, donc encore une fois merci, on précise pour ceux du coup qui attendent leur contrepartie potentiellement, etc. On attendait du coup le 1 mois révolu, donc c'était pas au 1er février, c'était au 4 février, comme on a lancé ça le 4 janvier. Et à partir du 4 février, du coup, si je n'ai pas de bêtises, on va pouvoir mettre en place toutes les contreparties par-ci par-là. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait un tiers des gens qui n'ont pas demandé de contrepartie. C'est peut-être volontaire, du coup, c'est très noble de votre part. Mais n'hésitez pas, si jamais vous êtes trompé, à aller faire un tour sur Tipeee, voir si vous avez bien coché la contrepartie que vous souhaitiez. Parce que si jamais vous n'en faites pas partie, on ne va pas vous envoyer le lien, la carte, peu importe la contrepartie. On ne va pas vous contrepartez, parce que peut-être que c'est une volonté de votre part de ne pas vouloir apparaître au générique, de ne pas vouloir avoir ci, ça. Donc, dans le doute, nous, on va attendre. Si vous avez vérifié que vous êtes bien dedans, tant mieux. Sinon, vous pouvez changer directement sur le site. Et si vous ne trouvez pas, vous nous envoyez un MP pour nous dire « Ah, je me suis trompé, j'ai dit sans contrepartie alors que je voulais, machin. » Voilà, le Discord, c'est le mieux pour nous contacter. Ce sera le plus simple. Merci encore une fois à tous, ça régale. Et puis, on va passer juste sur un gameplay de qualité après avoir remercié Magic Bazaar. Notre sponsor, Play-in by Magic Bazaar. Mais pendant un an et demi, on va s'y faire. C'est trop dur. Mais les gens comprennent. Du moment qu'ils savent où les trouver, il n'y a pas de problème. Dans la description, le lien est le bon. Exactement. Play-in by Magic Bazaar qui régale comme d'habitude.
50% de points de fidélité supplémentaires avec notre code VALEPL 2021 sur leur boutique, sur l'intégralité de leur boutique. Et ça fait quand même très plaisir. Ça nous soutient. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Et puis le petit code créateur Magic Arena FR sur boutique Epic Game Store. Voilà. Voilà, merci à tous. Enfin. Et merci d'être resté pendant ces 5 premières minutes où on avait besoin de communiquer toutes ces choses-là avec vous. Maintenant, promis, on passe à la deck tech et au gameplay. En plus, que tous ceux qui sont restés pendant l'intégralité de ce qu'on a dit gagnent un Kinder Surprise. Ah, vous êtes vraiment les boss. C'est trop bon, les Kinder Surprise. On vous les envoie chez vous. Ils arriveront mous et fondus et sans jouer. Mais vous pourrez les boire. Il n'y aura rien dedans. Juste, c'est on nul. Garde les jouets. C'est vraiment juste pas très bien, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? On les aura léchés au préalable. Alors ça, c'est une decklist June Pâté de Troll. Pour vous refaire un petit peu l'historique de cette decklist, le lendemain du streamer event, je suis allé un petit peu fouiner sur MTG Azone. Oh, il remet en français, ça c'est bien. Je suis allé fouiner sur MTG Azone pour voir un petit peu les decklists qui avaient été joués ci et là. Et je suis tombé sur Red Duke qui avait joué... qui jouait une espèce de June Ramp avec des simulacres solennels, avec des filates, avec des cartes qui me plaisaient pas trop, mais à l'intérieur il y avait emprisonnement des dieux anciens et éveil des trolls. Éveil des trolls. Et c'est vrai que lors des reveals, ça nous avait un peu tapé dans l'œil l'éveil des trolls. Et ça, ça a été pour nous la meilleure unco du set Kaldheim. Et ça se révèle être probablement une vérité. Et donc du coup j'ai eu envie de designer toute une decklist autour en intégrant des cartes de Kaldheim, notamment Valky le dieu des mensonges qui va bien profiter de la rampe et de l'accélération du deck. Magnifique artwork qui mon sosie, regardez, je me mets de profil, voilà, avec un couteau à la main. Hein. C'est moi. Tout simplement. J'espère que c'est pas toi le mec derrière. Hein. Parce qu'il a plus de cheveux. Hein. Il a plus de cheveux, comme j'en ai. Donc comme c'est toi bon. Avant. c'est bon, c'est pas moi. Donc voilà, Valky les dieux des mensonges et Tibalt, imposteur cosmique. Valky qui est très bien en early game, notamment contre les jeux créatures. Et Tibalt qui permet de rembourser tout le mana qu'on va pouvoir générer à la fois avec l'emprisonnement, à la fois avec l'éveil des trolls, à la fois avec le dragon d'Orpon, la culture, le havre du sol loup. Vu qu'on rampe, il y a le Papa Huguin parce que c'est quand même le boss. Gratuit. Le dragon d'Orpon qui est une super bête de midrange mais qui participe au plan de jeu rampe. Ça synergise très très bien aussi avec le grimoire du dédale de l'esprit parce que tour 5, vous attaquez avec votre dragon d'Orpon. Vous avez deux manas du coup qui vont être générés par le trésor. Vous pouvez faire une petite pioche avec votre grimoire. Donc ça marche vraiment très très bien. Le géant Krakos, je crois que c'est la meilleure créature du standard. Donc il est à la fois anti-bête, à la fois il met un body pour aller mettre des points. On va pas s'en passer dans cette decklist là. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment un June Ramp qui essaye de curver Havre du sol loup, emprisonnement des dieux très anciens, un petit dragon d'Orpon, un éveil des trolls. L'adversaire, il se fait casser son terrain. Vous mettez un terrain de plus, une armée de 4-4. C'est vraiment un deck que j'ai pris énormément de plaisir à jouer, qui marche vraiment très très bien. On a la petite lande rampante aussi pour investir du mana. Et franchement, ça nous régale et ça va vous permettre de voir des nouvelles cartes de Kaldheim que sont Valky, l'emprisonnement, le dragon, l'éveil des trolls. Voilà, tout simplement. Super, et les landes. Et ça, on sait comment ça marche. Mais les Landes, on sait comment ça marche. Est-ce qu'on partirait pas en l'AD? Ouais, parlons un petit peu du side quand même. Parce que la side tech. Le side, c'est du classico-classique. Si jamais vous voulez les plans de side, je les ai un petit peu partagés sur Twitter. De manière vraiment grosso merdo. Factuel. Événement d'extinction, ça c'est pour tous les jeux créatures. Les actes cruels, c'est pour faire du 1 pour 1 sur des créatures embêtantes. Clotis contre les jeux Croxa, les jeux cimetières. La garde à Kroos, parce que Gruul, ça reste un bon deck. Hein. Eldraine n'est pas parti, attention, il est là, il rôde et il reviendra probablement en force quand on aura fini de tester les cartes de Kaldheim. Ouais, dès que ça midrangise en face, on a envie de garde à Kroos, quoi. C'est ça. Et en plus, il y a Mono Overfood aussi qui marche toujours très bien. Et le buff de la Gonasse contre les jeux Rogue, parce que Rogue est toujours là aussi, notamment dans les hauts ladders. Et voilà, il faut pouvoir. Essayer d'exiler des cartes de notre cimetière, grinder, aller en late game. Ce deck là grind pas si mal, étonnamment, parce que même si vous faites beaucoup de mana, vous avez toujours moyen d'utiliser ce mana là, que ce soit avec votre grimoire, que ce soit avec un Valky, que ce soit avec le solo qui crée un 2-2. Vraiment très très intéressant. On est parti. Soin, c'est le reset du ladder hier soir, donc du coup on repart plat de 4. Let's go. T'étais passé mythique, quoi. Ouais, avec ce deck là j'avais fait 12-2 de diamant 4 à mythique. Et 12-2, c'est pas mal pour une decklist. Alors, on était en début de format, les gens testaient des trucs. Mais j'ai tapé quand même des rogues, des grulles. Donc, c'était assez convaincant pour qu'on vous la présente aujourd'hui. Pour le coup. Ah, Reset de Ladder, c'est pas mal, je viens de penser. Parce que je vais un peu moins me faire rosser en draft potentiellement. Là, j'étais platine et en début de format. Et ça platine, a commencé à il rigole pas trop, quoi. Eh ouais. Ok, c'est un keep, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, soit en commentaire, soit en live, etc., des conseils pour le draft, le format limité Kaldheim. On vous fera sûrement une petite vidéo, même s'il y a déjà plein de contenus dispo, notamment chez Magic Sechik, le podcast de Liland, tout ça, vous retrouvez plein d'infos sur ce format, si ça vous intéresse. Mais on sait qu'il y a des gens qui ne...
qui regarde beaucoup nos vidéos et peu le reste du contenu, enfin pour certains en tout cas d'entre vous. Donc pour ces personnes-là, oh ça fait chier ça, on fera une petite vidéo pour parler un petit peu du format limité. J'ai déjà quelques avis moi sur le draft, mais bon, ayant que deux drafts à mon actif, j'ai pas trop envie de vous induire en erreur. Je dirais même plus, ça fait chier sa mère quand même. Ça fait chier sa mère, ouais. Et t'es pas obligé. Mais on trouve Haaland. Oh bah. Ça va. Quand même. J'attire votre attention sur ce verre de pimp que m'a passé Val. Et je l'adore. Mais voilà. Putain! Il est chiant. Oh qu'est-ce que tu fais? Oh qu'est-ce qu'il fait? Oh qu'est-ce que tu fais? Schnipper, on est en train de faire une vidéo. Arrête de schnipper. Pas de land du coup. 26 land, que des accélérateurs. Et là, pas de land. Il se fout de notre gueule le jeu. Mais j'ai fait quelques games avec ce deck et c'était souvent ça qui s'est passé. Ben c'est ça ou l'inverse? C'est pas normal. Genre, il y a les mathématiques. Bah là, par contre, stop. Là, par contre, je deviens. Attends, coupe. Je vais. Ouais. Non, on va pas couper, c'est pas grave. Mais non, on coupe jamais. Il y a les mathématiques. Et les mathématiques, là, elles jouent pas en notre faveur. Elles sont pas respectées. Non. Bah, par contre, il joue 80 cartes. Hein. Je voulais juste. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Apprécier cela. Ouais, mais on s'en fout. Pas mal à noir. J'ai pas beaucoup de cartes noires à jouer. Okay. En tout cas, j'ai pas de double noir. Mais oui, on aurait pu mana noir. J'ai juste balancé ma carte, quoi. Ouais, de dédain, quoi. Complètement. Ce qui est bien, c'est que si tu as un deck mana rouge, tu peux pas jouer ton dragon. Ouais, je sais bien. Bon, on trouve au moins des landes. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'à un moment, fallait pas emprisonnement tour précédent pour aller chercher un triome. Alors, il y a pas de triome. Tu vas récupérer que des forêts, donc ça fixe pas le rouge. Ah. Il n'y a pas de triome vu qu'on joue Jund. Ouais. On pourrait avoir des Getrias triome pour fixer. C'est pas inintéressant, ça m'a été soumis justement comme idée. Mm. Mais il n'y en a pas dans la liste. Ah, mon PV est troll, tranquille. Oh, c'est un petit chat. Non, mais il va encore contrer, il a que ça. Après, là, il a plus que deux cartes en main. Ah non, il a le. Ah, il a un contre. Je te le dis. 80 cartes. Je vais pas prononcer la phrase qu'on dit tout le temps. Mais elle est pas loin. Bah là, tu peux chier chez moi pour une fois. Oh, c'est vrai. Alors, je vous montre juste. Voilà, ça, c'est un petit chat. 80 cartes, easy son deck. Ah là, je suis content, là, j'ai un petit chat. Montre-le, vas-y. Ma. Tifenia. C'est celui qu'on met dans le four. Oh, le petit chat. Et qui sort de la tourte, ça va? S'il a encore un compte, je chie. Vraiment, je chie sur le chat. Non, vite. Nanook, fuis. Elle court partout. C'est honteux. Tu vois, une deck tech avec un chat, c'est mieux. Bah oui. Ça passe bien. Bah si elle miaule pas, c'est bien. Ah, parce que là, en plus, elle est à côté du micro, si elle miaule. Il y a environ 10 000 personnes qui vont faire. Ouh. Non, elle est bien là. Je suis content. En vrai, j'ai que des porcs en main. Oh les porcs. Il a pas gagné. Là, il a contré les trucs prout. Ouais. Mais les trucs forts, il va falloir qu'il les contre. Hein. Ouais. Non, il va perdre. Et il y a que As quoi. Tu pourras peut-être pêcher des forêts par contre. Bon, peut-être via les trolls, non? Ça, je te pique ton simulacre, c'est méchant aussi. Hein. Parce que là, via les trolls, ça fait rien. Hein. Ça accélère d'un mana, mais. Ah, tu lui pètes son Loctwine en fait. Pour on lui... fera pas de troll quoi. Ouais, vas-y, ok, vas-y, vas-y. De toute façon, ça va être contré. Donc en fait, vaut mieux qu'ils contre ça et qu'ils se prennent Tibalt into Ugin potentiellement. Ouais. Ok, nice. Et puis c'est surtout que ça va nous le donner. C'est ça l'avantage d'éveiller les trolls. En plus, ouais. Moi, je pète les landes rampantes, je récupère, quel plaisir. Est-ce que t'as des fables de passage dans la liste? Je m'en rappelle plus. Ouais. Bah, c'est très bien à reprendre aussi avec éveiller des trolls pour aller chercher une couleur qui te manque potentiellement. Ouais. Le problème, c'est que il faut qu'il en ait, c'est forcément dans le cimetière adverse. Non, c'est dans ton cimetière aussi. Éveil des trolls? Ouais. D'un cimetière. Ah, effectivement. Voilà. Bah, ça me propose toujours celui de l'adversaire à chaque fois. Bah, si t'en as pas toi, ouais, forcément ça prend en face. Mais. Valky, c'est pas mal là. Hein. Enfin, pas Valky, l'autre. Monsieur l'autre. Tibalt, qui fait gagner beaucoup de parties, hein, monsieur Tibalt. Oh, ça résout. Eh ouais, déjà, bah, on va piquer le simulacre. Bah, je crois que là, je vais plus de. Hein. Ah ouais? Ouais, bah je vais pas le mettre à deux. Simulac, ça te permet de le jouer ton prochain en allant chercher ton mana rouge pour Dragon d'Orpon. Ouais, mais qui arrivera à taper, donc okay. Là je peux le trouver aussi sur le dessus du pack, non? Ouais. Enfin, je vais essayer de trouver mieux qu'un Simulac, quoi. Parce que là, une fois que le plus 2, qu'importe ce que j'exile, c'est jouable pour toujours. Deux cartes. Oh bah tiens. Ah, bah nickel, tu peux lander rouge. Voilà. Parfait.
On est pas mal là. On est pas mal. Bah, il a beau contrer toutes les cartes de mon deck, s'il compte pas les ports. Oh, les ports. Bon, en vrai, je dis on est pas mal, on n'a pas gagné non plus. Il y a plein de cartes en main, mais nous on a un contre, on va pouvoir mettre des petits dragons. Là, on va faire quelques bêtes. Ouais. Ah non, peut-être pas en fait. Non, ça on fait pas de bêtes par contre, il a trop de, trop de mana. Par contre, quand tu fais ça T4, tu fais beaucoup de trolls. Mm. Surtout si t'as passé une culture derrière. On a pile autant de landes. 5, 12, il en a 11, et nous on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on en a un de moins. Alors qu'est-ce que tu nous proposes de beau là ? La value est insane ici. Je vois un petit land là, tranquillou. Alors. Petit dragon. Avec Neutralize Up. Avec Neutralize Up, c'est très bien, tu as raison. On pourra même piocher, ouais. Si on veut. Bon, ça coûte quand même 4 PF, je sais pas si on voudra. On va mettre 4 points. Hein. Oui. Ah, tu veux pas aller à l'ulti de Tibalt là spécialement, tu veux juste. Avec quand tu ulti de Tibalt, par contre, tu gagnes la partie. Hein. C'est insane, ouais. Ce que ça fait. Je veux juste faire de la value contre lui, ça va. Je crois que c'est pas grave, je perds mon premier dragon, je garde Neutralize, oui, c'est oui. Plus important. Parce que c'est le genre de jeu qui joue Ugin aussi de son côté. Mm. Alors Ugin moins 7, ça rase notre Tibalt. Hein. Ouais. Bah, il avait pas de gestion au tour précédent, donc là, c'est s'il en a une, tu pourras la contrer. Ouais. Et il en aura sûrement pas deux. Tu peux avoir du sol loup sur un mana noir. Ouais. Un maximum de plaisir à jouer cette liste-là. Et il y a eu pas mal de gens qui m'ont fait des très bons retours dessus, donc c'est cool. Mm. C'est très très cool. Petit tips pour le dragon d'Orpon. Bon, dans l'autre deck, on s'en servira très peu. Au moment où il est ciblé pour que l'adversaire le tue, il va d'abord créer le token. Ouais. Et si vous voulez utiliser les deux manas, il faut sacrifier le token avant que le dragon meure. Bah ouais. Donc, important de jouer un petit peu entre ces deux moments-là. Ok, un grimoire ça nous ferait du bien aussi. Ouais, vas-y on continue. Bah là, Tibalt ça va juste le grinder. Oh bah j'ai pris le sien de grimoire comme ça au moins. C'est fort hein. C'est top. C'est fort d'avoir call. Tibalt c'est fantastique comme carte. Mais genre Tibalt est bien ouais. Meilleur que Valky. Je l'ai joué qu'une fois et je me sentais que c'était la meilleure carte du deck. C'est vraiment trop trop bien. J'ai souvent joué en fait en Valky. Parce que mais j'ai beaucoup joué contre si des jeux. J'ai joué beaucoup de jeux créatures, c'est normal, ouais. Et j'avais envie de piquer un Croxa. J'avais envie de piquer un Croxa, ouais. D'ailleurs, j'ai joué contre un Mardu. À la une, il me fait une sortie créature, genre. Avec Croxa, le drop 3 qui vole, là, le Charognard. Ouais. Turlupin et tout. Enfin, très agro. Charognard, le drop 3 qui vole. Attends, non, je vois. Charognard de Nuit Vampire, là. Là, ah, un ouais, qui, ouais. Qui est étoile 3. Bon, je vois. Et. Ouais, on tue. J'en laisse raison. On fiche un peu, en vrai. Alors. Et du coup, il me fait une sortie très créature et il me tue à la une. Et du coup, je rentre toutes mes cartes pour gérer les bêtes, acte cruel, événement extinction et tout. Et il avait switché presque en Mardu Doom. Ok. À la 2 et à la 3. Et je me suis retrouvé dépourvu total et il m'a juste éclaté. Ok. Une espèce de changement de plan de jeu. Je sais pas s'il a juste pioché une partie de ses cartes à la une et une autre partie de ses cartes à la 2. Il a deux plans dans son deck, c'est-à-dire qu'il a pas un très bon deck à la base. Je pense que Doom, il a un side transformé. Il a pas plein de créatures quoi. Parce que Croxa, ça peut aller dans les deux. Bah c'était un excentrique ouais. Contre qui t'es tombé. Et il a gagné, monsieur excentrique. Ah ouais ? Il a gagné 2-1. Putain. Ah ça arrive, moi hier j'ai perdu contre Claire donc. Et c'était pas de ta faute. Tu pouvais rien y faire. C'était son excentricité. C'était son excentricité. Bah oui. Oh, j'en mettrais 2 moi. Tellement de value dans cette main. Tellement de puissance. À un moment on va utiliser la saga juste pour péter son simulacre. Hein. Bah à un moment on va gagner juste avec ça là, tu vois. Ah bah oui, ça va voilà. Gagner ça. Ah, j'ai joué contre un Dimir, je sais plus ce qu'il jouait. Et juste, j'ai fait Land Rampante, je lui ai mis 2 coups, il est mort. Il pouvait rien faire. Il pas gérer, s'il a il pas, avait des pas son emprunteur, et ni d'éliminer. Et en fait, en ce début de format, Eliminate, c'est pas bien, parce que tout le monde joue des ports, ouais. Alors des Vorinclex et tout. Donc t'es repassé sur les actes cruels, et les actes cruels, ça bat pas les Land Rampante. C'est long. Ah mais moi, je prends du plaisir, là. C'est pas long négatif. Hein. Ah ouais. Non, je disais c'est long. C'est non, pardon. Ah, d'accord, je crois ça, que c'est ça. Tu comprends, par contre. Attends, quoi, qu'il fait juste un token de simulacre, il pêche une carte. Ouais. Alors, en fait, il fait pas mal de value avec une carte, donc si tu peux la gérer, gratos. Ah, c'est que je fais encore pas mal de value aussi. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut jamais aller à l'ulti tant qu'il y a ça. Donc je vais peut-être le péter. Il va se battre, ouais, vas-y, tu peux péter simulacre. Pas qu'il copie. Ouais, je pourrais pas prendre le mana. Bah il se bat très bien, il pioche une carte. 2 cartes. Je crois pas que ça soit mieux que ce qui me reste en main. Mmh, 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 mmh.
Je peux pas demander, j'ai déjà joué ma land. Est-ce que tu joues en Kragos ou tu veux garder ta draw? Je crois que je veux un Valkyrie en créature ici. Ouais, vas-y. Peut-être. Attends, quoique. Est-ce que son deck joue des créatures? En fait, je pense pas. C'est là, il doit avoir des anti-bêtes collées à la main parce que justement, tu joues pas de bêtes depuis tout à l'heure. Donc c'est pas très bien. Je crois qu'il faut juste faire fin de tour grimoire. Ouais. Ouais, je pouvais avoir du sol loup aussi. Ouais, mais ça m'aurait fait utiliser mes tokens, je crois. Ouais, on va les garder. Il y a un moment, il va arrêter de tout avoir, monsieur. Ok, nice. Ok, on retourne Tybalt. Bah, je crois bien. Hein. C'est lui qui nous fait gagner la partie. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tu peux même lui en proposer 2. Au bout d'un moment, il n'y a plus trop de contre. Penses-tu, il a tout. Ouais. Bon, on va prendre le plan de Jolande Rampante maintenant. Ouais. On passe. Fin de tour, on buff, on pioche. Tu peux faire les deux, 1, 2, 3, 4, 5. C'est à lui de réagir, hein. Ouais. C'est pas à nous. Et si on commence à être low en carte en main, on peut même piocher, donc on est un peu devant au niveau des avantages. De notre allies qui sont passés, une negate. Et les 3 jeux des vues, une participation de Johari. Ouais, quand même pas mal de comptes qui sont passés. Hein. Ouais, et maintenant, participation de Johari, c'est un land, quoi. Ouais, ça contre plus grand chose. Donc bon, ça va aller. Ok, un géant Kragos. Géant Kragos. On va refuser. Je peux lui mettre deux face, mais ça me fait utiliser ma mana, c'est pas bien. Autre land rampante. Ouais, tu peux plutôt heal en vrai. Ouais, ça mange pas de pain. Alors, je crois qu'on va juste attendre de la monter à 14, hein, ça, hein, de la donner. Et je crois qu'on peut retenter Valkyrie, on en a passé déjà un, ouais. On en a encore deux dans le deck. Ouais. T'as comme un 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. 14, 15 mana. Tu peux aussi tenter un Ugin. Hein. Ah, mais Ugin, ça accomplit rien ici. Ouais, mais il voudra le gérer, hein. Il prend 3 par tour. Et il peut rien développer. C'est mieux d'avoir le bouton reset si on perd le tempo. Ok. Et de proposer Ugin qui lui a une valeur un peu proactive, plus que Ugin pour le coup. Et qui lui par contre récupère pas le tempo, ou mal. Ouais, je vois. Bon, ça résout, on va draw 2. J'aime bien draw des cartes de son pack. Genre ça, tu vois. Oh, ça le flash. Oh, c'est bien ça, jouer en flash. Ça, c'est tellement méchant. Après, c'est quoi les effets? C'est un 7-7, il peut être imbloquable. Oh, tu peux sacrifier une île, si quelqu'un. Sacrifier une île, ouais. Et sinon, tu exiles des cartes d'un cimetière. Donc, je vais pouvoir exiler sa merde, là. Ok. Bah, passe alors, quoi. Ouais. Du coup. Je me demandais s'il n'y avait pas un tricks où tu allais le renvoyer dans ta main, mais c'était pas toi le contrôleur, donc tu le renvoies dans sa main. Ouais. Mais non, on va pas le renvoyer. J'aimerais bien en fait le piquer des contres, ce qui va nous faire vraiment gagner à terme, quoi. Bah, ça lui en enlève un et ça nous en fait gagner un, donc. Ça c'est super méchant. Pas mal. Une 8-8, comment on gère une 8-8 là? On peut pas. Hein. Là on la gère pas. On va prendre 8. Je réfléchis. Non, parce qu'il va sûrement tuer notre Tybalt. Il va peut-être falloir. On peut draw avec Grimoire. Ouais. En réponse. Il a que 2 mana donc il peut pas contrer à 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux la grossir 2 fois. Ça fera 4, 6. Le tour d'après. 1, 2, 3. 4, ça fera 8, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 12, putain, plus géant Kragos, on a peut-être un létal, hein. Un peu bête quoi. Donc, il va avoir full mana up, hein. Et s'il a encore des différents requins, vu qu'il en a joué qu'un, ouais, il a juste à faire une 1. On n'a pas bien le choix ici, hein, malheureusement. Ah, tu pouvais draw pour essayer de trouver un anti-bête? Non, il n'y en a pas. Ah non, j'ai pas d'anti-bête qui gère... Ah non, les actes de crevés sont dans le side. Ouais. Ok, bon, il va aller tuer Tybalt, j'imagine. Et nous, on va prendre un plan requin, du coup. Ok. Grand serpent. Ouais, grand serpent, pardon. Oh, on a entendu en stéréo le bruit. Bon, on part sur une game tricky by longue. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant, ça nous permet de voir toutes les nouvelles cartes. Et c'est que la une. Bah ça, c'est un énorme plaisir. Putain, il est coquin, lui. Il va se prendre un emprisonnement, du coup. Ok. Il
3 face, ça me va. Il veut tuer en deux tours. Aurait-il craqué? Ouais, vas-y. Je crois qu'on va devoir gérer ce Ugin. Du coup, ou alors, est-ce que je géant Krakos face en espérant que ça, ça résolve? S'il n'a pas anti-bet, tu géant Krakos face, il prend 9, il a 5. Il prend encore un géant Krakos. Ouais, je crois que tu peux tenter face, hein. T'en as un autre de toute façon pour aller gérer. 7, je le tue avec ça s'il n'a pas d'anti-bet. Mais non, j'en ai pas d'autre. Ah non, il est en créature. Eh ouais. Le problème, c'est que si on gère pas, si on le tue pas et qu'on gère pas Ugin, on a perdu. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre? Vu tout ce que t'as, je te dirais de géant Krakos face, moi. Ouais, parce qu'on a ça au pire. Ouais, ça okay. Et Ugin. Ouais, Ugin peut tuer l'autre Ugin avec le plus 2. C'est vrai. Vas-y, on prend le, on prend la ligne létale alors. S'il contre, il a perdu. C'est tâté, hein. On les veut, ces deux manas, ou pas? Tu pourras les avoir après. Okay. Enfin, tu pourras piocher après au pire. Ok, attends, peut-être l'un des landes en pente là, au cas où. Ça changera rien, je crois. Enfin, on n'aura pas assez de mana dispersé. Toi, tu vas activer les deux landes pour aller frapper. Ouais, non, ça fera, ça fera trop de mana si on veut garder ça en backup. Alors. Alors là, on active land. Ah, est-ce qu'il faut pas d'abord le bait avec ça sur ça et tuer après avec land? Parce que si jamais on le, si jamais il contre ça, c'est gagné. Ouais, tu et peux essayer. Il a intérêt, je crois, à contrer vas-y, ça. Vas-y. En plus, si c'est pas ce qu'on va vouloir détruire là. On casse le Ugin ou le... Ouais. Oh, j'ai la sensation que du coup il a perdu là, non? Il peut faire un token 1-1 de... De Shark Typhon. Mais du coup il nous tue pas au comeback et on le tue quand même nous sur le comeback. Parce qu'en plus ouais. J'ai 4 PV à gagner. Ouais c'est vrai. Vas-y, active. 1, 2, 3, 4... Et ça c'est un blockable si je le souhaite. Donc on va valider. Ouais ouais. Là t'attaques avec les deux, tu peux buffer après. Bah ouais. Suivant. Je passe au bloqueur. T'as encore 5 mana. Il a un anti-bet. Il a une eliminate. Ah, il est bon. Il est bon, il est bon. Mais du coup, on meurt pas au comeback. Non. Ouais, vas-y, résous. Très relou quand même. Mmh. Très très relou. Il manque quand même 7. Tu peux jouer un géant Krakos. Mais du board. Je pourrais quand même piocher avec ça. Je pourrais quand même piocher, ouais. Ok. T'as encore une forêt à aller chercher, je crois. J'ai un petit peu peur quand même là. Tendu cette game. Ouais, il met 8. Hein, mais... Il est quand même très talentueux sur le fait de toucher ses cartes, quoi. Il a pas tant creusé que ça. Hein. Si, ouais, il a creusé la moitié. Quand même pas obligatoire, quoi. Ouais, mais il a eu énormément de contre en early et c'est ce qu'il avait besoin. Alors fais gaffe là. Avant de prendre les dégâts. Ah non, ça je vois pas ce qu'il peut nous. Je crois pas qu'il ait de la riche. J'avais peur de Sublime Epiphanie qui contre l'effet de grimoire pour gagner les peuves. Mais du coup, il faut qu'il mette 3 points avec Ugin et Sublime Epiphanie. Ouais, et il a pas faut la mana. Il a 2 en main. C'est PR, c'est un PR. Ok. Ouais, ça va au bout normalement. Ah, mais ça, putain, on aurait dû la lander juste pour qu'elle ait la célérité. Mais bon, c'est Ugin qui peut aller au bout sinon. Ah, ça lui donne pas la Ace de l'activer? Non. Merde. Bon, il est obligé de dire PR, mais du coup, il perd son requin donc il est un peu dans la sauce là. Ouais. Il y a un PR. Ah, donc il va peut-être en faire deux. Il peut survivre hein, juste avec ça. Ouais, il a ça qui lui fait gagner des pèves. Ça, on s'en fout. Ouais, il fait ça juste pour nous discard. Ouais, mais il discard à l'instant-ci. Ouais, celle d'après, ouais. Mais il a forcément une gestion pour ça, sinon je comprends pas. Ouais, je pense. Là, il est mort. Normalement. S'il a. Faut qu'il ait anti-bet plus contre. Faut qu'il ait tout dans la main. Ouais. Donc là, on propose phase d'attaque. Il gère, on fait ça plus ça. On est d'accord? Allez. It's time. Il a ça pour gagner 3 PEV ou pas? Ouais, ouais. Ah, du coup, il est pas mort. Hein. Il est pas mort, mais on a géant Krakos et Ugin. Donc en fait, s'il veut utiliser 4 mana, 4 mana, il faut qu'il y ait un spell à 2 aussi pour. Ah, mais il peut avoir anti-bet plus 4 mana.
Ils font anti-bête et ça, ouais, ou si, anti-bête contre. S'il a acte cruel, ça passe, tu vois. C'est ça qui est horrible. Il a encore, il est pas mort. Mmh. Il a encore une possibilité. Ouais. Là, il est mort, par contre. Non, parce qu'il peut avoir contre. Ah oui, oui. Anti-bête, toujours. Ouais, ouais. Est-ce qu'il prend? Bon, normalement, il est mort. Ouh. Putain, pour mettre les points. Tibalt, ça grind fort, hein, quand même. Hein. Ouais. Ok, ouais, bah, il était juste au point près, il a tout claqué. En bon, lui, par contre, il a un super nouveau deck de Kaldheim. Ouais. c'est vrai que c'est que les nouvelles cartes de Kaldheim nous ont bluffé ici. Alors oui, on sait que les gens attendent avant de crafter. Non, mais on dit ça pour rigoler. On rigole. On peut s'amuser ou pas? Oui, par contre, quand on joue à l'event d'AP streamer et que la personne en face joue pas de nouvelles cartes, là, on le dit. C'est dommage. On sort tous les gens Krakos parce qu'il a pas de cible en early, typiquement. Si jamais il joue une version Yorion, tu peux peut-être conserver les gens Krakos pour gérer les Skycab apparitions, ouais. Ce qui est pas le cas ici. Il y a quand même le débat de est-ce que tu gardes des actes cruels, notamment pour gérer Yorion. Normalement, on a les emprisonnements qui font le taf, mais c'est vrai que ça bloque les dragons d'Orpon, les Yorion. Donc il y a un peu ce débat-là. Il y a Clotis qui est intéressante, si jamais il la gère pas, ça fait la game au bout. Enfin, ça peut aller au bout. Mais peut-être qu'acte cruel, c'est juste plus réaliste et que c'est pas notre plan de jeu, quoi. Ouais, j'aurais joué plutôt avec Clotis, moi. Quitte à cuter dans les dragons d'Orpon pour rentrer les actes cruels. Ouais, tu commences à avoir du mal à tuer quand même sans dragon d'Orpon. Hein. C'est vraiment bien contre les jeux comme ça. Hein. Oh, Valkyrie, ça tue, non? Bah, qui transforme en Yorion, tu bides dingue comme ça. Tu avec les cartes des autres si t'as plus de dragon d'Orpon. Je sais pas, hein, après j'ai pas beaucoup joué le deck donc. Non, bah, j'avais toujours. Le compromis nul. J'avais toujours cette. Le cul entre deux chaises entre les actes cruels et la Clotis. La Clotis qui en fait n'accomplit rien si ce n'est grindé. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que tu l'aies en early. Tu vois, c'est quand même pas évident quoi. C'est bien ça. Ouais, on fait, trois couleurs. On fait quand même rien en début de tour. On a ni Grimoire ni Havre, mais. C'est pas trop grave, ouais, tu peux lander en. Ouais. Enfin, après avoir nos trois couleurs, putain, avec les mana bases qu'on a maintenant. Eh, c'était pas le cas avant. Hein. Oui, mais c'est. Enfin, la game d'avant. C'est la base du deck, quoi. Ouais. Tu vois. On va pas se satisfaire que de ça. Pour le coup. On a rien à proposer. Que fait-il? Ça, début de format, c'est un bon deck. Hein. Franchement, tu dois pouvoir te taper contre à peu près tout. Hein. Avec son Yorion Dimir là. Avec plein de comptes, plein d'anti-bêtes, tu finis la game à Ugin, solide. J'y pense, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué un deck contrôle. Genre sur le ladder, moi. Mmh. Alors que je jouais beaucoup ça avant. Après, la méta est pas méga permissive avec contrôle. T'as 2-3 decks comme Soyorion Dimir, mais. Ouais. Culture? Ouais, mais ça m'emmerde de me faire contrer ma culture, quoi. Ouais, mais. Est-ce que tu dirais que c'est de la contre-culture, du coup? Bah, carrément, ouais. Mais. Je trouve que vu qu'on a des landes en main, s'il contre-culture, c'est pas si grave quoi. C'est chiant, mais ça va. Alors que s'il contre-Clotis, là c'était méga chiant. Ok. On a du rouge, du vert, il nous faut du coup du noir et du vert. On a déjà du noir aussi. Hein. Avec quoi? Je prendrais. On a déjà un noir, c'est tout. Un noir, ouais. Je prendrais un noir, un vert. Parce que t'as deux manas rouges dans le noir. On a deux manas rouges, ouais. Ok, de toute façon là le plan de jeu c'est éveil des trolls sur sa lande rampante déjà. Ça lui fera les pieds ça, à celui-ci. Ah, ça va lui faire bien les pieds quoi, je te pique ton kill et je te tue avec, j'adore, un énorme plaisir. Est-ce que tu me mettrais pas mon petit dragon d'Orpon là? Je crois pas, ça rentre dans son contre directos là, hein. Alors que j'ai Havre du Sol Loup et Clotis là, qui m'ouvre éveil. Tu fais Havre et Clotis dans le même tour? Ouais. Ok, vas-y. C'est pas si mal non? Bah ouais. Ça veut dire merci en russe. Clotis? Non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je crois pas, mais j'aime bien. Ah, mais ça te lourd, mais en fait, non, t'avais le mana juste pour faire les deux. Non, mais ça permet sans d'avancer, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on veut Clotis maintenant ou est-ce qu'on veut gérer son beatdown? C'est pas plus mal, peut-être. Pas mal de casser son emprunteur, ouais. Ouais. Tu utilises mieux ta mana, tu set up pour les tours suivants. Et Clotis, c'est bien quand ça passe, quand il y a déjà un cimetière. Là, il y a qu'une carte au cimetière aussi. Puis on commence à prendre l'ascendant en land et ça, contrôle, il aime pas du tout. Il y a de notre allies. Je sais pas pourquoi ils jouent des emprunteurs contre nous, sachant qu'on joue des dragons d'Orpon. Et des bonnes crushers giants. Peut-être qu'il n'y avait pas grand chose à enlever. Du coup, il garde. Ouais. Ça. Qu'est-ce qu'il enlève là? Je pense qu'il doit enlever Éveil des trolls s'il n'a pas de quoi contrer.
Impact, si on peut le garder non pas en land mais en sort, on pourra tuer son emprunteur. C'est peut-être jamais pris la carte et peut-être qu'il trouve ça rincé à max quoi. Ouais, tu vois, moi j'aurais jamais enlevé ça. J'aurais enlevé Clotis ou Evan. Ouais. Mais peut-être qu'il a une negate dans la main, du coup. Ça veut dire qu'il faut placer Clotis. Est-ce qu'il prend son Lorion? Si tu prends ton Lorion, t'es mort. Je te le dis, sniper, prends ton Lorion. Oh là là, on doit reprendre, elle dégage. Bah ouais. Désolé, poteau. Si tu veux blinker ton emprunteur, y a pas de problème. Ça, on va le garder. Ouais, ça peut tuer ces deux bêtes. Ouais. Ah bah, sur un malin, tu tues Clotis, tu tues emprunteur et. Bah ouais, et Orion, ouais. Il est bien ce jeu là. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme land, Val? Une land en pente. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien, bien, bien. Oh, il a pas le cinquième land. Ouais, non, mais il a fait le pire call là de prendre Orion en main. Parce que franchement, je crois que je passais par Clotis s'il gardait un land. Hein. Ouais. Il avait connaissance de notre main en plus. Bah ouais. Ouh là là, la petite culture là qui va faire un board immense. Ton prochain. Culture ouais, Clotis d'ailleurs. Culture Clotis. Hein. Par contre, il y a un moment, il va falloir réagir quoi. On a deux mana noirs. On va prendre un rouge, un vert. Ouais. Le mana noir étant secondaire dans la liste. Tu peux lander aussi. Éviter qu'il y contre avant. Ah bah non, t'as encore assez de mana. Ok, bon, on est bien. Écoute, on est pas mal. Potentiellement. Bon. Remprunter la Clotis, c'était pas mal, cela dit. Ou éveiller des trolls. Genre, peut-être qu'il préfère casser, perdre un land que avoir une chienne de troll. Maintenant, il a un plan de jeu tempo et c'est vrai que ça peut nous mettre un peu mal ce plan de jeu. Bon, non, en fait, il a plus de plan de jeu tempo. Là. C'est fini. Je sais pas pourquoi je vous ma gueule. Non, ouais, tu fais impact, qui tue les deux. Et... et il est pas bien. Je vais même pas tuer le simulacre, je crois. Hein. Tu peux juste, tu gagnes Bolt emprunteur. Ouais. Un peu relou. Je gagne pas mes PF du coup. Ouais, mais bon. Après Ugin alors qu'on a du board, je sais pas. Hein. Bah, Ugin plus 2, et en fait, ça lui met une pression, parce que t'as 12 en piétinement là. Ok. Je trouve que c'est mieux que de jouer impact à 1. Ok, ok. Utilise bien ta mana. Non, il a pas d'effet discard. Allez, un petit Tibalt maintenant pour utiliser la mana qu'on a en trop ou alors des grimoires. Il y a plein de cartes qui utilisent la mana, mais faut les trouver quoi. Après, le deck il est blindé de cartes ressourceuses, un peu porcassou. Ouais, la curve est bien grasse. Ça manque d'un Yorion pour blinker un peu tous tes effets. Le problème c'est que tu joues Jund et si tu joues Yorion, c'est les deux couleurs que tu joues pas. Donc, ouais. En fait, tu peux pas jouer Yorion et ça te permet quand même d'avoir des sorties plus régulières. Genre faire ça tour 4, ça arrive beaucoup plus souvent que si tu jouais Yorion. Ok. Un peu de value quand même. Hein. Tu peux attaquer, s'il bloque avec Orion, tu bolt. Ouais. S'il bloque pas avec Orion, tu tues Orion avec Impact. Mais là, il se fait une belle main, hein, cela dit. Hein. Il se fait une belle main, mais. Belle main, main de vilain. Je sais pas. Non, mais il se fait le genre de main qui peut comeback dans cette game, quoi. Bah, c'est bon, on va gagner la game, je pense. Du coup. On a tous son sacrifié là, c'est chiant ça. Il en a un autre en main. Ça va nous carry solide. Hein. Il enlève son premier. C'est juste qu'on gagne pas les PV et c'est son plan de jeu quoi. Alors, je crois qu'il faut juste impact et plus notre Orion. Le mieux c'est d'attaquer. S'il en bloque un avec ton son Orion, il le perd. Tu perds un 4-4. Bah ouais, mais du coup tu gardes impact. Ouais, mais est-ce que ça a de la valeur impact s'il joue pas d'autres créatures? Ah bah là son plan de jeu c'est de nous beatdown donc. Et ça tuera son Ugin, ça le one shot. Ça met 12. Et on a rien pour gérer Ugin là. Enfin, faut le gérer au board quoi. Bah, j'aurais directement impact, mais je vais prendre ta ligne. Je pense, hein. Ouais, je pense qu'il a pas d'autres bêtes, moi, mais effectivement, ça peut one-shot un Ugin. Mais bon, un Ugin, si t'es le premier à avoir Ugin, normalement, t'as pas trop peur d'Ugin. Pour quand même 10, hein. Ouais. C'est bien fait pour lui, hein. Hydro, il a une main pleine. Nous, on peut pas jouer buffle si on décide pas de tuer le Yorion. Ah, il faut le tuer, hein. Là, il faut 3 face. Il faut impact à 2, buffle et 3 dans Yorion, ça te va? Impact à 2, buffle, ça me va, ouais. Ah non, j'ai pas la mana, j'ai que 3 rouges. Ah, t'as pas 4? Non, j'ai pas 4 rouges. Ah! Bon, c'est pas très grave, cela dit. Après, il fait... Ah si, il a de la discard, ouais, est-ce qu'il va discard, là? Ah, mais il faut, hein, t'es obligé. Hein. Ouais, vas-y, tue Yorion. X égale 5. Alors...
Il le sait qu'on l'a en main en plus, il a pas cherché à tourner autour, on pourra quand même buffer la lande, donc ça c'est cool. Je pourrais la buffer quand même, ouais. Et là, s'il gère notre Ugin, il perd sur le board, et s'il gère notre board, il perd à l'Ugin. Et nous, au pire, on a ça pour comeback. Bon, je crois qu'on est, bien dans cette game. Ouais, en fait, peut gagner 3 PEV avec son sagrippé, mais je crois pas que c'est. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tu utilises tellement ta mana dans des cartes extrêmement puissantes, tu peux jouer land rampante et tu peux surtout piquer celle des autres. Et t'as plein de cartes pour investir ta mana, et en plus, Tibalt, il est meurtrier quand il passe le tour, quoi. Ouais. Bah, typiquement, c'est le deck en face, c'est le genre de deck qui devrait nous battre, parce que justement, il peut contrer nos grosses menaces, mais il nous met pas de clock, pas de pression, donc à force de piocher des gros trucs avec toute la mana qu'on accumule. Et ben, on arrive à le level power. Ça ressemble globalement à toutes les games que j'ai jouées pour le coup. Ok, Ugin, il va enlever les trolls, il est mort. Ouais. À moins qu'il ait encore un sagrippé. Non, il est pas mort hein, en l'état ici. Enfin, on va faire le moins 11, mais. Bah non, parce que tu fais 2 avec Clotis, 3 avec Ugin et avec ta lande. Non, avec Clotis par contre, tu fais rien. Ah bah non, ouais, il a exil, je suis con. Mais oui, avec la lande, on a gagné. Oublie pas de buffer la lande. Ouais, voilà. Oh bah écoute, parfait. Rondement mené. C'est exactement ce que le deck est censé faire. C'est la plupart des games que j'ai joué pour le coup. Alors moi j'avais des Yorion qui étaient un peu plus saga, donc ça me permettait d'avoir plus de cartes à piquer sur mes Tibalt et plus de choses à raser avec le Ugin. Mais ça montre bien le potentiel de grind. Et surtout, là on n'a pas fait des sorties où on attaque vraiment la mana base, mais éveille des trolls très rapidement dans la partie. Ouais, ça fait une différence énorme. Ça te fait gagner instantanément la game. Donc voilà, si ça vous plaît, l'avantage de ce deck là, ça n'a pas remporté de tournoi ou quoi, hein, ça vient de la chaîne Valet PL et tout, ça a eu de bons résultats sur le ladder, donc craftez pas forcément, mais si vous avez les cartes, au global, ça vous fait pas crafter de mauvaises cartes. Je veux dire, à part Éveil des Trolls, il y a aucun doute sur ça, ça et ça. Ouais. Voilà, sachez-le. Et tout le reste, non plus. Tout le reste, c'est du méga playable dans tous les autres decks. Exact. Bah, régalade, fin de la vidéo, merci beaucoup. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.